The game qui s'appelle Call to Summon. Ce qui signifie littéralement appel pour l'invocation, pour invoquer. Je suis où là? Qu'est-ce que c'est cet endroit? Je suis tu. Ouais. Effectivement, je cours vite. Le secteur A. Oh là, on a le tuto. Regardez-moi cette crosshair qui tourne. Une espèce de direction artistique. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on aurait un bon jeu? Je nous apprends qu'on peut fermer les portes. Mon dieu, on dirait que c'est pas des vieux assets téléchargés du net. Control to crouch. Mon dieu, mais on a un tuto et tout. Il y a des téléphones qui flottent en l'air et qui tournent. Pick up the phone. On peut prendre des photos. Oh, il a disparu. What? Mais qu'est-ce qui se passe? Oh là là. Qu'est-ce que c'est ce téléphone? Mais ça enlève tout. Il part tous les objets. Ok, c'est bizarre, mais ouais. Press tab to open contract panel. Je peux appeler tous les gens que mon téléphone a capturé? What? Non mais là, on est sur un truc de ouf, là. J'ai ajouté la lumière. J'en prends 4, hein. À moi. C'est flippant de ouf. Ah bah attends, je reprends. Hop. Merde. Ok. Merde. Ouais, à un moment, il va y avoir un vrai bonhomme. Ça sera pas une pancarte. Quoi le nom du jeu? Call to summon. Appeler pour invoquer. Oui, c'est littéralement le jeu en fait. On appelle et ça. Ça invoque. Attendez, je vais mettre. Un des cartons que j'avais pris. Frog? Bon, je vais pas prendre 50 trucs, hein. Oh, il y a un passage, là. J'ai déjà 52 000, je vais pas les rajouter. Je peux invoquer un truc derrière? C'est une blague. Non mais, monsieur! Pardon, je vous ai fait chuter. Je suis désolé.
lumière. Bah, mais y a rien ici. Ouh. Évite de te prendre en selfie. Oh merde. Pensez à tout, vous. Hein. Et du coup, le chien, ça marche? Ça va faire quelque chose? Est-ce que le chien agit comme un chien? Ah non, mais juste assez grand. C'est une prison? Secteur B, c'était genre le tuto en vrai. Secteur B. Oh là là, mais c'est Portal! Girafe. Elle va appuyer dessus? Ah, mais pour la viser, c'est dur de fou. Bon, un peu de chance quand même, je vous avoue. Hop, j'ai gardé ma petite girafe. Mettre son chat dans le téléphone quand il se fout trop. Mettre ses enfants dans le téléphone. Tu veux pas dormir? Tac. C'est horrible. Les couches sales. Tac. Allez, un petit escalier. Je suis un oui dans mon téléphone. Oh non, c'est pas drôle. Et en plus, c'est comme ça dans... Oh, c'est dans quoi? Ah, c'est dans Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Le manga. Pas l'animé, mais le manga. Je crois que le grand-père, il se fait emprisonner dans un caméscope. C'est le début de l'histoire. Mettre ses problèmes dans son téléphone. Qu'est-ce qui s'est marqué? 0 sur 7 frogs! Oh bah ça va, j'en ai 10 000. GG. Petite vibe super liminale. Bon, petite vibe portale, je trouve, surtout. Ouais. Bah oui. Ouais, c'est vrai qu'il y a un petit côté... liminal space, là. La petite piscine, là. Ouverture. Fermeture de porte. Y'a rien, ici. Le secteur C. Vous. Une lampe. Le jeu est bien trop... Il est trop bien pour que ça se finisse bien. Enfin que... Qu'il n'y ait pas des trucs qui font peur en fait. C'est-à-dire que là je m'attends vraiment à... un truc de fou. Comment je l'ouvre la porte? Ah là. Gousse. Mince. Et il y a juste les commandes qui sont pas ouf en vrai. Je cours. Ça doit faire les grenouilles. Pas mal non, c'est français. J'ai plus mon téléphone. Call. Ah. Call to summon. Créé par Kate Forest. Eh bien, c'est excellent. Voilà. Ça aurait pu même être mieux. Ah. Oh. On avait déjà joué à certains de ces autres jeux. Oh, en vrai, le mec est productif. Hein. Il avait fait le jeu où on était dans une moissonneuse batteuse et tous les jours, on devait moissonner un champ. Et en fait, pour remonter le temps, et en fait, on achetait de l'argent pour remonter le temps et moissonner encore ou je sais plus quoi. C'était aussi un truc un peu barré. Ah, le type a des excellentes idées, hein. Mais on l'avait fait en live, hein. C'était ça.
Et j'ai vu, il y avait une histoire avec le temps qui remontait, genre la pluie, elle remontait. Elle remontait dans le ciel et tout. Et en fait, l'autre moissonneuse-batteuse, c'était ton toit du passé qui allait à l'envers. C'était un truc comme ça, putain. Présumément à la fin. Je sais pas. Ouais, on est dans une situation délicate, quoi. Si on est emprisonné dans un téléphone. Voilà, ça fait 3, quoi. On va jouer à John's Dog. Le chien de John, tout simplement. Je n'ai aucune idée de quoi penser de ce jeu. Je crois qu'il y a 3 fins. Oh, mais la souris, elle est décalée. What the fuck, je dois cliquer là. Ah. Ayo. Ah. Mes oreilles sont en train de mourir. Dialogue à la Benjo Kazooie, là. T'as rien à boire? Non. C'est insupportable. Mes oreilles ont envie de crever. Mais je peux acheter quelque chose depuis la boutique, si tu peux t'occuper de Mira. Mon nouveau chien. Quand est-ce que tu l'as eu? Hier. Elle marchait juste aux alentours de ma maison et ne voulait pas partir. Bizarre. Moi, je suis content qu'elle ne soit pas partie. J'ai toujours voulu un chien. Si tu pouvais arrêter de parler, mec, j'en peux plus. C'est... Très bien, je vais y aller. Prends soin d'elle et de la maison. J'imagine là, tout à coup, il parle pendant 20 minutes. Le dialogue de 40 lignes. Et ne laisse pas Mira détruire le canapé, il est nouveau. Ouh, j'espère ne plus jamais parler. Hein. WASD. Interagir. Q, stopper le chien. Shift run. What? Stop! Stop! Mais comment? Oh là, la sensibilité de la souris, c'est... Aouh! Arrête ça. Oh là, le petit bruit quand il drift. Quand elle drift, pardon. Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Je n'ai plus d'endurance. Qu'est-ce que c'est que ce jeu de ouf là? Ça dure combien de temps? C'est bien long. Mais c'est insupportable. Mais ça finit quand? Il fatigue jamais là? Je peux pas faire quelque chose là? Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu de l'enfer là? Pas faire autre chose, vous pensez? Le jeu du chien. Y'a rien. J'ai même pas dans la cuisine. Merde, il a arraché le truc. Il a démoli le truc. Je peux pas sortir par la porte ou je sais pas. Le jeu du chien. Ah! Oh punaise. C'est juste méga long. L'animation de la main, elle est masterpiece. Oh là là, le bras. Bizarre. À quoi on a joué là? Attends, il se passe quoi si on laisse le chien détruire la maison? Ça doit être une ending ça. On va laisser le chien détruire la maison. De toute façon, il y a un truc à l'étage. Je peux aller à l'étage? Ah, mais oui. Ouais, y'a rien, ouais. Je vois pas d'arbre, hein, perso. Allez, détruis la maison. Ah.
Pourquoi ça s'appelle un jeu d'horreur? Je sais pas. C'est stressant. Bon, il y a des fenêtres, hein. Il est bon le rideau? Il est délicieux. Oh oui. What? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Au début, le jeu était genre banal, et là, on va s'en souvenir, quoi. Ouais, non, mais c'est... Voilà, c'est pas si mauvais. Non, je sais pas, en vrai. Je sais pas quoi penser. On n'a pas vu de toilette ou salle de bain, donc bah voilà, écoutez...